Et salut à tous, c'est Max de la Max Team. Comment allez-vous ce soir? Hop, c'est bon, j'ai bien le retour du son, c'est cool. Eh bien, alors voilà. Bonjour Raynor qui est déjà sur le chat. Raynor qui est au taquet comme d'habitude. Très très fort ce Raynor. C'est l'heure du coucou, on est à l'heure. Superbe. Alors aujourd'hui, nous avons donc notre émission Up où on va essayer de regagner un peu des rangs en ladder légende parce qu'on en a beaucoup perdu à faire des tests et tout ça. Et puis en ce moment, j'ai un peu du mal à gagner mes games, je vous avoue. Et en plus de ça, donc on a une annonce sympathique qui est qu'on a ouvert enfin notre serveur Discord au Maxonaut. Donc vous avez la possibilité de taper dans le chat point d'exclamation Discord et vous allez avoir le lien directement vers notre serveur. Donc il y aura toutes les annonces des streams, les annonces pour les événements que nous allons. Il y a Raynor qui me tease un petit peu sur le. Sur le chat qui veut me croiser et m'écraser. Bon, ok, pourquoi pas? Sur le ladder, dit-il, hein, parce qu'il paraît qu'il fait quand même 158 kilos, je crois. Donc voilà, nous aurons toutes les annonces de nos événements, comme par exemple la Max Open Cup 2 qui aura lieu en fin d'année. Et quoi d'autre? Et puis plein de choses rigolotes que je vous laisse découvrir. Ce soir, on va essayer de jouer un démoniste Mechtoon. J'ai envie de faire un peu des choses nouvelles. Et comme on avait essayé ça dans les explorateurs précédemment, pas cette semaine, mais la semaine dernière, on va regarder un petit peu la liste que je vous propose ce soir. Hop! Alors, une liste que j'ai récupérée sur le net. J'ai fait un changement. Parce que je n'ai point l'arme du démoniste. Hop, mettons-nous ici. Voilà. Le crâne de Manari, je ne l'ai pas. Et je n'ai pas du tout l'intention de le créer. Parce que ben, je joue rarement cette classe-là. Je joue pas le démoniste cube. Ça ne m'intéresse pas trop. Donc je vais pas la créer. Et donc je vais la remplacer par un laquais possédé qui peut aller chercher un seigneur du vide. On peut se poser la question de est-ce qu'on met un deuxième laquais possédé peut-être à la place d'un voile de mort? Ça peut effectivement. Pour l'instant, je vais essayer comme ça pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc, l'idée du deck. Pardon, je vais me remettre un peu sur le chat pour voir si je dois dire bonjour à des gens. 150 têtes, j'ai dû me lever pour ouvrir la porte. Très bien, 157 kilos. donc, ce qu'on veut faire avec ce deck-là, c'est tuer avec Ktoon. Ktoon que j'ai crafté hier soir en live. Si ça, c'est pas la classe. C'est une 10-10, râle d'agonie. Pour 10, qui dit que si nous n'avons plus de cartes dans le deck, dans la main et sur le champ de bataille, à ce moment-là, le héros adverse est détruit. Même s'il a 8000 points de vie, il est détruit, il est décédé. Donc pour faire ça, on va donc devoir déjà piocher tout notre deck. Ça, c'est plutôt simple avec le démoniste. On pioche, on pioche, on pioche. Et ensuite, détruire, enfin détruire, ne plus rien avoir en main ni sur le champ de bataille. Et pour ça, on joue le cataclysme. Détruit tous les serviteurs, vous défausse de votre main. Super, sauf que la combo fait 14. 14, c'est un peu beaucoup. Salut Bendam, comment ça va? c'est un peu beaucoup 14, vous me direz. Parce que nous n'avons plus Torissan, malheureusement. Eh bien, pour descendre le coût de cette combo, on va jouer deux galvaniseurs qui en cri de guerre réduisent de 1 cristal le coût des mécas dans notre main. Donc si on a Ktoon en main, on les joue. Et il va coûter 8. Oui, mais 8 et 4, ça fait quand même 12, ça fait pas 14. Certes. Donc on va essayer de faire autrement. On va jouer Fleur de sang. Fleur de sang, ça coûte que 2. 8 et 2, ça fait 10. Le prochain sort que vous lancez pendant ce tour coûte de la vie au lieu des cristaux de mana. Cool. Du coup, je peux dépenser 4 en points de vie pour lancer Cataclysme. Donc, il faut que je sois quand même au-dessus de 4 points de vie. Donc, on a une liste qui est très contrôle pour essayer justement de tenir, 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 regagner des points de vie. Et puis, essayer de détruire l'adversaire. On va essayer ça tout de suite en ladder. Hop, alors. Donc c'est la première fois que je teste le deck. J'espère que vous allez m'aider. En ce moment, je suis particulièrement soit en déveine, soit en, comment on va dire, peu concentré sur les games, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup perdu depuis ce week-end. Beaucoup, beaucoup. J'étais rang 2500 quand ça, dimanche, en début d'après-midi. Voilà, je suis 9500. Bon, j'ai perdu seulement 7000 rangs, c'est pas. Très bien, paladin. Paladin, ça peut être paladin père.
Pardon, ça peut être paladin impair la plupart du temps. Paladin OTK très rarement. Nous avons aussi les paladins œufs, mecha, tout ça, qui sont quand même plus présents et potentiellement pénibles. Et un paladin pair qui est probable, mais assez peu finalement. Je pense que je garde l'hospice, le kobold, et comme je garde le kobold, je vais garder l'améthyste. Peut-être que comme je garde l'améthyste, je gagne aussi flamme infernale. On va garder tout ça. On va garder tout ça, on va voir un peu ce que ça donne. On va essayer de mettre tout ceci en œuvre. On va dire bonjour, monsieur. Alors, ce n'est point un impair et pourtant il joue cette carte-ci, qui peut se retrouver dans l'OTK. Je crois pas qu'on joue protectrice vertueuse dans le mid, œuf, tout ça là. Mais c'est possible, c'est pas exclu non plus. Je vais quand même lancer le kobold pour voir un petit peu ce qui se trame. Ça me permet d'activer un petit peu mon améthyste, gentiment. Alors, il y a Raynor qui dit qu'il peut pas m'aider parce qu'il a jamais joué aucun deck Toon. D'accord, donc cette carte-là provient effectivement de la liste OTK. Donc, c'est le premier qui va pouvoir faire sa combo. J'espère que ce sera moi. Est-ce qu'on a tout de suite envie de faire Hospice Funeste? Que j'ai envie de faire hospice. Moi, je veux piocher le plus vite possible. C'est un méca ce truc-là, non? J'hésite à hospice, à piocher ou à scarabée. Ça avait beaucoup d'hésitation. Je pense que je vais. Attendez qu'il a gardé encore notre carte en main. Je pense que je vais piocher ce tour-ci. Ouais, c'est intéressant. Le voile de mort est intéressant. Prochain tour, ce sera certainement Hospice Funeste, voile de mort. Enfin, pas dans cet ordre-là. On parle de qui ce soir? Hier, nous avons vu que Max avait une faiblesse en réplique culte. Ouais, hier soir, j'étais en dessous de ce que j'aurais dû être. Et je trouve que vous avez été assez indulgent envers moi. Donc, ce soir, allez-y. Balancez un peu de la réplique, là. Et je suis au taquet maintenant. N'hésitez plus. C'est maintenant, c'est l'instant. Ok, on a récupéré ça. Je pense que c'est le bon moment maintenant pour mettre un petit hospice funeste. Qu'est-ce qu'il joue T4 lui? Il pourrait jouer l'arme 4, 5, 6, c'est pas suffisant. Moi j'ai 9 cartes en main. Je pense qu'Hospice c'est pas mal. Peut-être qu'il a récupéré un taunt intéressant qui serait sur T4 et là du coup il ne peut pas le jouer. Là j'ai la possibilité de faire un Brass Champi qui n'est pas immonde. Je peux également piocher et scarabée. Les bras champi peut aller chercher des choses peut-être plus intéressantes. Ouais, je vais tenter ça. S'il avait eu l'arme, il aurait joué. Ok. Alors Raynor, n'hésite pas si tu veux lancer de la réplique même toi-même. Je suis tout à fait avec toi. Alors, on ne va bien sûr pas jouer une flamme infernale sur ça, ce serait très dommage. On peut double scarabée, taper. Je pense que c'est double scarabée, j'aime bien ça. Ok. Hey, salut Mélanie, comment vas-tu?
Toujours fidèle, Mélanie, ça fait plaisir. T'es au taquet. Mélanie qui s'est réabonnée hier soir pour son, je crois, cinquième mois d'affilée. Très très fort. Qu'est-ce qu'il a joué? Ah, il joue. Ah, voilà, j'allais dire, il joue en nouveau module, ça m'étonne, mais il l'a eu avec défenseur de but de pierre. Mais je crois qu'il le joue aussi. C'est doit être la liste de Thaïs. Ok, mon améthyste est pas mal. Je peux faire améthyste sur ce truc-là, plus faire ça, pourquoi pas. Je vais piocher. Je pense que je vais piocher améthyste et taper. Ça me permet de piocher encore un petit peu. Ok, seigneur du vide, pourquoi pas. Allons-y. Paf. Ok. C'est pas immonde. Eh bien, je vais bien, Mélanie. Je suis assez content d'avoir pu setup le serveur Discord qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure. Bon, ben là, on a une flamme infernale qui est pas immonde. Mais on préférerait avoir notre. Ah, bah en plus, on chope Améthyste juste derrière. On préférerait avoir notre profanation. Donc, on a 9 cartes. On va se permettre d'en piocher une et de jouer Flamme Infernale derrière. Ça me paraît particulièrement savoureux. On garde la pièce pour faire pièce Seigneur du Vide au tour prochain. Hop, Godfrey. Godfrey sera intéressant certainement un poil plus tard. Ok, on a fait avancer notre améthyste gentiment. Tu es nul en réplique, mais non. Je tombe bien, redemande des répliques et. Ah oui, tu tombes bien, virgule. Max redemande des répliques et. Non, non, attends, j'ai répondu à pas mal de choses quand même, mais j'avais pas tout. Par contre, tu m'as tué, Raynor, sur le coup du. Comment ça s'appelle? Comment c'était? La 7ème compagnie. C'est une compagnie très très rigolo. Donc là, je pense que le pièce Seigneur du Vide se met quand même particulièrement bien. D'autant qu'on en a un deuxième. Skling et Skloung. Alors on sait que ça joue égalité consécration là-dedans. Et alors Forrest Gump. Attention. Ah, oui. Ah, ben bien sûr. Alors ça joue sans moi sur le chat. Bravo. De temps en temps, je regarde la game quand même. Ah, il a déjà eu terre, le bougre. Ok. Ok, donc ça, c'est un peu ennuyeux. Mais on a une flamme infernale, on a Gul'dan, on a du Seigneur Godfrey. Deuxième Seigneur du Vide. Donc, on sait que ça joue égalité consécration en face. Et aussi le Sora 5 qui remet, qui met toutes les créatures à 1-1. Tu baises les ménagères, hein, tu dois avoir un qui brille, mais c'est pas comme ça qu'on appelle. C'est pas ça qu'on appelle la classe. Alors. Tu baises les ménagères bien, tu dois avoir le cul qui brille. Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Alors ça, je la connais pas. Tu étais où, salope, pomponnette? Ça, c'est la femme du boulanger. Salut, Angélix. Mel 13, je suis sûr que j'ai bon sur la femme du boulanger. Par contre, Bentham, je l'ai pas, le tien. Ok, lui, il a mis une petite saloperie là-dedans. Ok. Donc là, nous, on veut piocher le plus vite possible. Je pense qu'on va piocher galvaniseur, tac, tac, tac. On va essayer ça. Le vol de vie peut être bien sur ici aussi. Je pense que c'est ça. Parce qu'on a encore énormément de cartes dans le deck et lui, il peut être très rapide. Ouf, le limon qui fait plaisir. Bim. Le limon qui fait bien plaisir. Et alors on regarde bien que qu'on peut jouer Galvaniseur, c'est-à-dire en ayant Ktoon dans la main, parce que sinon on a l'air con. Et s'ennuyer quand même d'avoir un peu l'air con. Pif, paf. Et ça, je pense qu'on va le gérer. Nous, les points de vie, finalement, on s'en fout. Ou, non, on va le gérer ça. Ouais, on va le gérer ça. Ce serait dommage. Ok. J'aime beurrer la biscotte, ça c'est OSS 117. J'adore l'odeur de napalm au petit matin, mais ça c'est pas encore Apocalypse Now. Nous l'avions hier soir, je crois, Angélix. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit bonjour en. Hop là. En texte. Ok, il a encore une arme, le mec est plein d'armes.
Ok, siphonner l'âme pourra être intéressant, mais il faut quand même piocher. Il faut quand même piocher. Je pense que je vais faire un peu de place aussi sur le board. Peut-être pas jouer siphonné. Du coup, si je joue pas siphonné, faut que je. Ou alors je joue Gul'dan maintenant? Mais, ouais, je peux jouer Gul'dan parce que ça coûte cher. C'est pas mal ça. Je vais faire un peu de place. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il. Ah non, je suis pas obligé de le jouer, Gul'dan. Je suis pas obligé de le jouer parce que j'ai déjà Cataclysme. Je pense que je vais faire ça. Piochon. Galvaniseur numéro 2. Ok. Je pense que je fais un peu de place. Comme ça. Que je fais siphonner. Que je fais galvaniseur numéro 2 et que je mets des taquets. Hop là! Voilà, oui pour le réclip, je vois des gens qui sont morts. Ben, ça, c'est bien sûr sixième sens. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On n'est pas bien là, la fraîche décontractée du gland. Ça doit être les valseuses, Mélanie. Et voilà, non, mais je suis au taquet. Je vous l'avais dit hier soir, c'est Maxime, là, il me perturbait. Vous avez vu la coupe de cheveux qu'il avait, faut pas déconner. Alors, est-ce qu'il va me tuer ce méchant monsieur là? Bon, alors ça va prendre une belle flamme infernale. D'accord, donc là il a pas son remontoir là, ça fait plaisir. Flamme infernale ou Geoffrey? Qui d'ailleurs ça s'appelle pas Geoffrey mais Godfrey. Ouais, je pense que c'est flamme infernale ça. Donc c'est 3 à tout le monde si je me rappelle bien. 3 à tout le monde. Faut que je pioche, c'est sûr. Ah, j'ai une belle profanation là. 1, 2, 3. Oh, je peux même tuer tout ça à la main. Hein. Je peux même tuer tout ça à la main. 1, 1, 1, 1. 1. Je peux faire 1, 1. 1, 2, ouais, non, j'arrive pas à mettre des trucs. Je pense que j'ai profanation gentiment là. Est-ce que c'est Godfrey plutôt que profanation? Non, juste profanation. Bon, champi. Ok. Gentiment, j'ai toujours 8 cartes. Alors, t'as là, là, je vois déjà. Did you fuck my wife? Ça doit être taxi driver, je crois. Prends ton manteau, on s'en va. Waouh, c'est tendu ça. J'ai pas vu quelles sont les cartes qu'il a. Les seigneurs de la mort qu'il a récupérées dans sa main. Je vais t'enculer, je t'enculer, et tu jouiras. Ah, ça là, je sais pas celle-là. Raging Bull. Bon. Autant pour moi. Alors, ça, je pense que ça part face. Que je fais. Alors, j'hésite entre Flamme Infernale et Godfrey. Je pense que ça va être pioche. Ça va être pioche. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est sa face. Que c'est flamme infernale. Que je pioche encore. Laquer. Et est-ce que j'hospice? Je peux hospice. Hein. Je peux hospice pour jouer néant, néant. Ça peut être pas mal. Je suis un homme. Eh bien, personne n'est parfait. Je l'ai pas. Ah, c'était tenue de soirée, ça? D'accord, oui, j'avoue que je l'ai pas vu. C'est pas un truc qui m'avait trop tenté, je t'avoue. Je suis un homme, mais bien personne n'est parfait. Non, je l'ai pas celle-ci, Angélix, malheureusement. La cage aux folles, ah, bien joué. Ça peut être ça, ouais. Hors de
Oh, il coûte cher son défenseur de but Pierre. Il a pique à une vitesse. Donc là, il nous reste 3 cartes dans le deck. Ce qu'on peut faire, c'est. Donc là, on va en avoir 2. Je peux piocher Néant Distordu. Ça peut être très intéressant. Ok, donc là, il jette ses cartes. Ok. L'idée, c'est de piocher. Est-ce que c'est. Ouais, non, je pense que c'est pioche. Je peux faire pioche, Talnos, améthyste. Comme ça, je serai à 9, 10, 9, 8, 9. Ça me paraît pas mal, ça. Comme ça, j'ai tout pioché et prochain tour, j'ai gagné, s'il me tue pas. Hop. Puisque je peux faire améthyste sur un propre serviteur, moi. Ouais, on est d'accord. Ok. Donc là, j'ai plus de cartes. Ok, on va voir. Qu'est-ce que nous avons? Certaines. La cage au folle, certaines aiment chaud. Vas-y, fonce, on sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Effectivement, je pense que c'est le bon effondre ce qu'il va faire, effectivement. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il va pouvoir faire les... Ne me dis pas qu'il le fait. Non, il a. Ok, il le remonte, donc ça veut dire que c'était dans les deux, il en avait un qu'il avait déjà. Ok, donc maintenant c'est le moment de ne pas se tromper. Ben, on va faire K'Toon. Fleur de sang. Cataclysme. Bien joué. Je suis assez content. Tu connais la différence entre toi et moi, alors c'est peut-être le bon, la brute et le truand, mais c'est pas sûr. Je suis assez content de cette game, je vous avoue, parce que c'était vraiment OTK contre OTK, et ça s'est joué à pas grand-chose. J'ai pioché à tous les tours comme un malade, ça s'est plutôt bien passé. Je suis plutôt content. On a vu la combo en plus, c'était cool. Men in Black? Ah ouais, bah attends, mais tu as vu la phrase comme elle est bateau, laisse tomber. Tu connais la différence entre toi et moi. Pas possible de faire ça. Oh, c'est le même! C'est le même bougre, le jauni alors qu'il lui manque un N. C'est le même. Est-ce que je garde néant? Je pense pas néant. Nibra Champi, il va pas mettre une pression incroyable. Donc moi, ce que je veux, c'est piocher, c'est gérer ces petites saloperies avec profanation. Est-ce que je veux scarabée? Non, je veux piocher. Je veux même pas ça, moi, je veux piocher. Hein. Je veux les kobolds de bibliothèque, je veux du Talnos. À la limite de la flamme infernale, mais le scarabée plus tard. Hein. Plus tard, plus tard. Le bon abruti de Troyen, c'était. Il y a le type d'homme. Celui, ouais, qui. Toi, tu creuses. Effectivement. Alors, redisons bonjour, monsieur. Allez, on pioche. C'est parti. Je me demande si c'est pas un avantage de ne pas avoir la pièce, du coup. Et de pouvoir démarrer dans le match-up comme ça où on veut tous les deux aller le plus vite possible. Limon, donc ça vous avez vu qu'on va le garder un petit moment. On repioche. Impeccable, prochain tour on peut faire pioche, scarabée. Voici vos noms, Mr. Brown. Ouais, ben ça c'est réservoir d'Ox. Excellent. Elle est excellente celle-là. Ah, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi. Il est sur T3, il pourrait faire pièce bidule. Moi j'ai pas quelque chose qui mettrait 2, donc qui m'aiderait pour ma profanation.
Je pense que je vais piocher. Je serai à 10. Si je pioche, je suis à 10. Si je joue ça, je suis à 10. Je pense que c'est pioche et hospice. Je me demande. Merci, Angélix. On est venu. On a vu, il est eu dans le cul. Ouais, je la connais, ça. Là. On est venu. On a vu, il est eu dans le cul. C'est dans quoi, ça, putain? Je l'ai vu 50 fois. C'est pas un mec, c'est un homme, c'est le fils d'un ange et d'un pirate. Celle-là, je la vois pas. Raynor, elle me dit rien du tout. Donc, ne pas piocher quand on a 10 cartes. Hein. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. Hein. Donc, on va faire le kobold de bibliothèque. Ah, le scarabée fait plaisir. Est-ce que c'est hospice pour bloquer un T5 énervé? Et ensuite, je peux faire laquais. Non, je pense que je vais faire double scarabée, ça me paraît pas mal. Donc ne pas piocher parce que sinon après on a l'air con encore une fois. Allez, 12 scarabées. Le dernier Avengers Cantor ramassé par les gardiens de la galaxie. Ah ouais, effectivement, ouais. Effectivement. Tout à fait. Alors attends, parce qu'on est vu. On est venu, on l'a vu, il est eu dans le cul. Putain, c'est dans quoi ça? Ça va me hanter toute la soirée ça. C'est quoi déjà? Ah là là là. Il faut absolument que je me retrouve. Ne me le dites pas, les amis. J'ai rajouté le laquais dedans et j'ai enlevé l'arme. Oui, parce que je n'ai pas l'arme. C'est pour ça. Et en plus de ça, je trouve que le laquais se met mieux dans dans le match-up. Pourquoi donc? Parce que ce qu'on veut, c'est pas tant je vider ce qu'on a en main. C'est plutôt vider ce qu'on a dans le deck. Donc le laquais est beaucoup plus intéressant dans ce sens-là. Donc là, je mets une belle profanation en place. S'il veut mettre quelque chose, là, je peux profaner tic-tac-touc et avoir un seigneur du vide intéressant. La lumière se je la connais pas celle-ci, Raynor. Toutes les phrases avec nique ta mère dedans, je suis pas sûr d'être trop autonome. Oh, regarde-moi cette belle profanation. J'aimerais assez qu'il ne tape pas dans ma 2-3 pour me laisser un truc à 3. Bah du coup le bouclier divin 2 là devrait faire l'affaire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Ah bah il était temps que je fasse. Donc là on va profaner gentiment. Je fais tac tac, ouais. Profanation. Est-ce qu'on pioche? Non, on ne pioche pas parce qu'on veut absolument que le seigneur du vide sorte tout seul et pas qu'on le pioche. Voilà. Et maintenant, nous faisons pioche. Paf. On est vu, on est venu, on l'a vu, il y a eu dans le cul. Oh là là. Je peux plus jouer, il trouve pas. Mais oui, je suis triste là. Case départ. Ah ouais, non, c'était. Non. Tu mourras pas avec case départ. Non, je croyais qu'on parlait cinéma. Là, tu m'as fait de la peine quand même un petit peu. Tu vois? Case départ, c'est au cinéma ce que Maître Gims, c'est à la musique. Voyez-vous? On est venu. Oh là là là. Alors, appel aux armes. Très bien. Il fait tigidi tigidi. J'ai un body file, non? J'ai un body file. Un truc vert gluant. Ah oui, putain, avec Ghostbusters, bien sûr. Merci, Ghostbusters. Ghostbusters, c'est juste après, à la fin de la scène de l'hôtel, quand ils vont dans la salle de réception en bas et qu'ils le récupèrent. Alors la question est, est-ce que je joue Profanation ou est-ce que je joue Godfrey? Godfrey, ça, alors ça fait 2, 4, 6. Godfrey, ça tue mon bidule, ça m'ennuie.
Ce serait seulement profanation ici? Ça tue mon bidule, mais ça met des 1-3 qui deviennent des 1-1. Non, je pense que c'est juste profanation ici. Tant pis si je pioche pas, mais je peux pas aller plus vite alors. Ouais. Je ne peux pas piocher. Je pourrais faire hospice si j'étais très motivé. Je vais faire hospice. Et du coup, je pioche. Hop là. C'est mal hein, de piocher en fin de tour, oulala, tout ça. Je sais. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre. Oui, ça c'était. C'est dans le silence des agneaux, bien sûr. Pas de chance, crotte de nez, c'est dans Harry Potter. J'avoue que c'est pas la réplique la plus connue, mais oui, c'est Harry Potter, c'est dans au moment où il est porte-cendre. Ok. Est-ce que j'ai envie de faire Limon Glouton sur ça? C'est au moment où ils sont dans le train pour aller à Poudlard dans le premier. D'ailleurs, cette scène, elle est tournée en Écosse à Glenfinnan. Glenfinnan, je crois, le viaduc de Glenfinnan. Donc là, j'aime bien faire un petit seigneur du vide, je vous avoue, entre vous et moi. Ça va l'occuper un petit moment, ça, normalement. Il me reste encore 11 cartes à piocher, quand même. Hein. Raté, c'est dans l'infirmerie d'Harry Potter 2. Ah, je suis déçu. Je suis très déçu de ce que tu dis. Ipikai, motherfucker, ça c'est. En français c'est Ipikai, pauvre con. Et c'est dans Piège de cristal. Et c'est Dumbledore qui goûte. Ouais, ça me dit quelque chose, tu as raison, tu as raison. Ok, là j'avoue que mes flammes infernales commencent à me manquer un petit peu, ainsi que mes bras champi. Mais bon. Pas tout avoir. Bras champi. Je ne peux pas piocher. Je pense que je vais limon maintenant et bras champi. Et je pense bras champi sur Seigneur du Vide ou pas? Non, sur moi. Hein. Je pense que c'est sur moi. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une deuxième branche en pique. J'ai les améthystes, mais les améthystes vont pas faire beaucoup. Parce que moi, je vais piocher, piocher, piocher. Au fur et à mesure, je vais un peu baisser en vie. Donc, je vais faire ceci d'abord. Voir un peu ce qu'on pioche. Ketoun! Ketoun! C'est bon, on pourra faire Galvaniseur au prochain tour. Donc ça, c'est intéressant. J'avoue que j'hésite à faire branche en pique sur la 3-1. Hein. Que sur moi. Et je pense que sur moi, c'est plus safe. Ça rend plus 4. Hein. Allez, tant pis. Faisons ça. Alors, dernière réplique, après je vous abandonne. Ah, j'aime ces petits moments de calme avant la tempête. Évidemment, on l'a tous entendu. Je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas, Angélix, je suis très triste. D'autant qu'après, si tu pars, tu vas dire « Ah, oh, bah alors, il a pas eu, c'est nul. » Et Raynor qui dit « Vous êtes sans doute pirate depuis pitoyable dont on m'a parlé, pirate des Caraïbes. » Possiblement. Seigneur des Anneaux 3. J'aime ces petits moments de calme avant la tempête. Peut-être bien. Peut-être bien dans le retour du roi, effectivement. Mais pas sûr. C'était Léon, mieux. Ok, ben là, je pense que nous avons un voile de mort Godfrey qui se met plutôt bien. Ok, donc voile de mort, repasse à 10, Godfrey et galvaniseur. Ça me paraît très bien. Hop, une flamme. Godfrey. Donc pif, paf, pouf. Ouais. Et galvaniseur.
Ok, donc là on a encore 7 cartes à piocher. Ce qui peut paraître quand même beaucoup. C'était Léon. Gandalf dit un truc similaire à un des deux Hobbits. Ouais, possiblement, possiblement. Ah, ça y est, il a eu son truc là. Ah oui, mais il va être très énervant maintenant. Il va être très énervant. C'est là, il a 15 dégâts. Oh, j'ai un améthyste. Une, pardon, une améthyste. Siphonner l'âme. J'hésite à Gul'dan en fait, pour récupérer des points de vie. Et récupérer un board. Je pense que ça va être Gul'dan. C'est dommage parce qu'après je ne peux plus piocher, donc... Mais bon. Salut Angélix, merci d'avoir été là. Quand on est en train de lire une revue de chasse, on demande un top. Ah oui. Ça doit être Seven peut-être. Je crois que c'est Seven, non? Je crois que c'est Seven, Angélix. Elle est pas si facile que ça, je dirais. Personnellement. Ok, donc il en a déjà un et c'est lequel? On aimerait voir son nom, monsieur. Thoras Trollmore, ok. Je commence à avoir du dégât quand même sur le board là. Même s'il peut se soigner. Parce qu'il faut voir qu'on peut on peut essayer de gagner autrement qu'avec la combo. Faut pas l'oublier ça. 3, ok. Je peux faire 3. Tchac, tchac. Donc là j'ai 3, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 7, 10, 14, 14 et 3. J'ai 17. Ça le mettrait à beaucoup. Les personnes timides, n'hésitez pas à balancer. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, il tue tout. Ok. Ok, il tue tout. Améthyste numéro 2. Alors là, on n'a pas grand-chose à jouer, les amis. C'est particulièrement embêtant. Nous allons piocher, je pense. Ah, on peut plus piocher, je suis con. On peut plus piocher. Ben on va rien faire. Prochain tour, si on est obligé de jouer quelque chose, on fera peut-être améthyste sur un de nos bidules, ou alors siphonner l'âme, ou alors carrément un néant distordu. Truc de dingue. Il faut encore tenir 5 tours, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Soutien. Ah oui, très bien. Alors là, c'est Darion Maugrain. Donc là, il en a deux différents maintenant. Et il faut pas lui laisser sur le board néanmoins, parce que sinon, il a plus de chances d'en avoir un autre que celui-ci. Et nous, on n'aime pas qu'il en ait un autre que celui-ci. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc je peux le jouer. Ça va activer de l'améthyste. Donc je le joue. Hop, je repasse à 10. Un bras champi qui fait plaisir. Je mords là. Je pense faire un coup de bras champi. Je peux aussi siphonner l'âme, mais j'aime bien avoir un peu plus de bornes encore pour lui faire un peu plus peur peut-être. Qu'il soit obligé de jouer des combos plutôt que de jouer ces trucs là. Donc il nous reste encore 3 cartes à piocher dont un Talnos. Je dois me nourrir maintenant. On va lui laisser sa zone là, là. Non, pas obligé. Je pense qu'on va faire ça. Ah ben 9 cartes, c'est bon, j'ai pas fait le con. Et je vais te dire un truc, j'aime beaucoup les chevaux, mais t'as les yeux du cheval, prends pas mal, t'as les yeux de bourrin. Ça doit être Turf, le truc avec Alain Chabat et mon ami Edouard Baird, c'est peut-être ça. Turf, je crois que ça s'appelait. Je vais te dire un truc, j'aime beaucoup les chevaux, t'as les yeux du cheval. Oui, tu l'as dit 3 fois, Raynor.
Mais il en a mis 3 là. Je crois que c'est la fin des haricots. Ouais, on avait encore 3 tours à tenir. Comment il a fait pour piocher plus que nous, quoi? Non, c'est tais-toi avec Jean Reno et Dieu Depardieu. D'accord. Je suis triste. Bon, ben, cette fois, il nous a eu. Il a pioché plus que nous. Putain, mais comment il a fait? J'ai pas pu piocher à tous les tours parce que souvent, j'avais trop de cartes en main, mais des cartes qui n'étaient pas jouables. Donc ça, c'est un peu dommage. Bon, je vais mettre qu'on en ait un partout quand même. Ça vaudrait le coup. Alors, score, propriété, un partout. Bim. Jean Reno et Depardieu, tais-toi. C'était pas leur meilleur film, hein. Alors, nous avons un Rexxar en face. On aime bien Flamme Infernale, bien entendu. Est-ce qu'on aime bien Profanation? Je pense qu'on n'aime pas tant que ça, Profanation. Si c'est un râle d'agonie, on n'aura pas le 1. Je joue pas les trucs à 1. Je pense que c'est plus Flamme Infernale et encore même avec le râle d'agonie ça va piquer. On va voir. Kobold, c'est très intéressant. Galvaniseur moins déjà. Mais là on a Kobold plus Flamme Infernale avec Améthyste, donc ça c'est plutôt bien. On va dire bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Tu arrives à court de citations, eh oui, je comprends bien. Ah, il faudrait que moi aussi je t'en donne une. Très intéressant. Alors, je vais te dire. Si je te dis Chrome, je commence à devoir vérifier, ER effectivement, si je connais le au mot exact. Il a mis un secret. Bah, écoute, son secret, il va le garder, je pense. J'ai très envie de piocher ou est-ce que c'est dangereux? Scarabée cuirassé ou pioche? Non, c'est pioche. Hein. C'est pioche. Ok. Chrome, ça te parle? Tiens, je te l'écris même. Hop là. D'accord. Bon, on va essayer de le chercher. Très bien, on peut le chercher. Donc là, on a 9 cartes. Je propose de piocher pièce scarabée. Ou est-ce que je garde la pièce parce que j'ai déjà le Seigneur du Vide en main? Peut-être que c'est mieux. Peut-être que c'est mieux. Allons-y pour scarabée. Faisons ça. Tu n'as pas Chrome? Oh là 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 là. Je suis déçu. Ok, donc là on a une flamme infernale au prochain tour parce qu'il prépare son émeraude, bien entendu. Alors il faut pas faire n'importe quoi là. Je ne peux pas piocher. Je ne peux point piocher. Si je pioche, il faut que je jette un truc. Et j'ai pas particulièrement prévu de jeter un truc. Donc là, on ne fait rien. On va attendre qu'il joue ses émeraudes au prochain tour. Ensuite, on attaquera. Et on fera flamme infernale et quelque chose. Et il est possible même qu'avant d'attaquer, on fasse voile de mort. Parce que si c'est un piège givrant, on peut avoir l'air con. Quoique, c'est pas grave si ça le détruit. Non, je pense qu'on va rester comme ça, gentiment. Là là. J'avais le travers, c'était pas bien. Si, au contraire, c'est une réplique, Mélanie. Je crois que l'acteur principal dit ça beaucoup. Plusieurs fois dans le film, et souvent même que ça.
Donc là, nous allons jouer notre belle améthyste. Là. Hop. Et toujours sans piocher. Chrome. Vous l'avez pas, ça, hein? Commence à être pénible son histoire là. Parce que moi je peux pas jouer Galvanizer à poil. Hein. Si j'ai rien à jouer là, je vais être obligé de jeter la pièce. C'est quand même ennuyeux. Améthyste. Je n'ai rien à jouer. Je n'ai rien à jouer. Ah non mais non! J'ai Ktoon. Ktoon. Je peux jouer le Galvanizer. Et ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Et au pire, je peux faire Améthyste dessus au prochain tour s'il fait rien. Ok, restons comme ça. Le créateur de Google, comme ça. Gardien de la galaxie. Non, mais non. Qu'est-ce que. Chrome, le créateur de Google. C'est nul. Mais c'est nul. C'est pitoyable. Mais y a rien. C'est... Mais non, mais sûr que non. C'était Conan le barbare. Voyons. Voyons, voyons. Alors la question est, est-ce que je fais Flamme Infernale ou est-ce que je fais. Seigneur Godfrey, j'avoue que j'aime bien Seigneur Godfrey parce qu'il sera peut-être plus dur à placer tout à l'heure. Alors que Flamme Infernale, s'il me refait un saut de 3-3, je pourrais le replacer facilement. Après, je peux peut-être juste Seigneur du Vide au prochain tour. Parce que Flamme Infernale, c'est intéressant à faire justement pour l'améthyste. C'est une bonne question ça. Est-ce que je Godfrey? Je pense pas que j'ai beaucoup de cibles à Godfrey. Je pense que c'est peut-être le bon moment. C'est peut-être le bon moment. Parce que peut-être qu'il a une deuxième émeraude, voyez-vous. Allez, allons-y. Pif, paf, pouf. Alors, qu'avons-nous là? Ah, Mélanie qui fait un... Ah, Google Chrome. Oh, merde. Il y a le chat qui a sauté à la porte, tellement c'était pas bien. Alors il va falloir que j'aille lui ouvrir, ne bougez pas. Quand ça va être la fin de mon tour, je vais ouvrir au chat miaou. Alors il a fait ça lui. C'est très peu intéressant. Je peux essayer de taper là. J'ai peut-être envie de le remonter dans ma main, donc je vais peut-être faire ça. Je réfléchis 2 secondes, les amis. Je pense que ça va être Scarabée. On va essayer de ne pas jouer 3 cartes parce que c'est peut-être un piège à rat. On va mettre un taquet ici. Hop. Un piège à serpent. Intéressant. On va pouvoir jouer le voile de mort. Frappe venin. Bon, mais là, ça va prendre gentiment flamme infernale tout ça. Hein. Est-ce que ça prend vraiment Flamme Infernale? Je pense que oui. Hein. Après, je suis peut-être un peu démuni. Non, je pense que c'est Flamme Infernale. Flamme Infernale Thanos. Hop là. Je repasse à 21, j'ouvre au chat, bougez pas. C'est à moi, c'est totalement à moi. Donc il a rejoué des trucs lui. Ok. Donc ne pas jouer son Ktoon, ça serait plutôt bien. Je peux faire, si je suis très motivé, voile de mort sur Thanos, ce qui me fait piocher, et ensuite pièce seigneur du vide. Mais ça fait 3 cartes et je n'ai pas envie de jouer 3 cartes à cause du piège à rat. Je pense que ça va être juste seigneur du vide, gentiment. Ouais, c'est pas mal, Seigneur du Vide. Ça évite de m'énerver trop. Si je joue des trucs, ensuite, je peux faire... Ridicule. Ok. Piège explosif, détournement, monstre errant, c'est ce qui reste. Ok, on va rester comme ça, tranquillement. Et potentiellement, au prochain tour, on peut faire un bel... 3, 4. Une belle améthyste. Ok. Alors, qu'avons-nous?
Ah oui, alors je vais mourir, je réveille. Le réveil de ma copine sonne dans 4 heures. Et alors? En quoi tu vas mourir? Je crois pas. Là, 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 là. Il faut pas mourir parce que ça réveille dans 4 heures, voyons. Voyons, voyons. Laquais possédé, tu fais plaisir. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais le petit laquais possédé Voldemort fait carrément plaisir là. Hop. Pif! Ça, c'est plutôt savoureux. Et bien sûr, dans ce cas-là, on pioche après parce que si on pioche et on récupère le Seigneur du Vide, on a l'air con. Donc on pioche. Ça nous met à 12. Il faudra faire un coup d'améthyste ensuite, hein, parce que là, quoi que non, je meurs sur si je vis à 12. S'il met une bête double ordre de tuer poète. Donc on n'a pas envie. On n'a pas envie. On va rester comme ça peut-être. Parce que j'ai vraiment pas envie de perdre sur ça quoi. Ça m'ennuierait beaucoup. Je pense que je pièce le bras champi. Non, peut-être pas. Peut-être que je vais juste rester comme ça. Je vais rester comme ça parce que si je pièce le bras champi, ça va faire plus de 3 cartes et j'ai pas envie. Si quelqu'un le part au taf, les chatons en profitent pour entrer dans la charge. Ah, les fameux chatons. Ça, c'est rigolo, les chatons. Donc là, on va essayer de ne pas se prendre un piège givrant sur ça. Là, il faut qu'on brasse champi sur nous-mêmes, bien entendu. Je pense qu'on va prendre un piège givrant sur ça. C'est ce qui nous gêne le moins. Attends, mais on a l'améthyste là. Voilà, on va faire améthyste gentiment. Améthyste. Skloung. Brasse champi. Et je pioche encore à la fin du tour. Je suis un ladre. Je suis très méchant. Hein. Vous le direz à vos amis de ne pas me parler, jamais. Et je tape pas parce que je vois pas pourquoi on taperait. On n'a pas envie d'activer ces saloperies là. Après on peut se poser la question quand même. Hein. Monstre errant. Non peut-être pas ce tour-là. Peut-être le tour d'après avec nos profanations et tout ça là. Ah ben voilà. Raynor, je te propose d'en faire une petite dernière et ensuite. Tu pourras aller dormir avec tous tes chats. Ça te va? Ok. Hop. On va essayer de le retaguer parce qu'il avait l'air saoulé. Je suis sûr que tu me dises bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Quoi? Non, parce que nous, la quête du Graal, tout ça, on a arrêté, hein. Comment ça, vous avez arrêté? Ah ben oui, nous. On a compris que ça servait à rien. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous venez gueuler chez moi? Oui, celle-là est facile. Très très facile. Bon champion. Prêtre. Prêtre, prêtre. Prêtre. Possible que ce soit un Cthulhu aussi. Mais la plupart du temps, c'est un Big Priest Maligos et tout ça, là. On n'aime pas ça du tout parce qu'il va plus vite que nous. Peut-être que Flamme Infernale peut être intéressant, je vais le garder. Ça peut être intéressant. Un kobold. Sympa le petit kobold des bibliothèques. Bonjour. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ah! Il y a Twitch qui a l'air d'avoir planté, dis donc. Je vais essayer de. Alors moi, pour moi, le stream fonctionne toujours. Eh bien, je vais piocher. Bizarre. J'espère que tout va bien de votre côté. Mais là, je ne vois plus le stream, moi, personnellement. Ah si. Si, si, j'ai relancé, ça va. Moi, tu dis, moi, ça va. D'accord. Moi, j'avais un gros écran noir disant Twitch machine has been unplugged. Ok, piochant comme des malades.
Alors, nous avons une améthyste sympathique. Ouais, c'est bien ça. C'est la liste qu'on avait évoquée ensemble, les amis. Ok, nous piochons. Et ensuite, nous kobold. On sera à 10. On sera roi à 10. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc on va plutôt piocher et scarabée. Ok, scarabée. Et on tue ça. Ça marche nickel, et ben tant mieux. Alors cette fois, avant d'aller balancer des pierres, on va savoir pourquoi qu'on gueule. Tu as cramé des cranges, je gueule au château, mais faut pas en vouloir. Ils sont pour rien. Sur Kaalod, je suis imbattable. Mais c'est vrai que tu es très très fort, Raynor. Tu sais que c'est pour ça que tu es rentré dans la team, tu t'en rappelles. Tu étais beaucoup trop bon. Hospice funeste, j'avoue que j'aime bien l'idée d'hospicer le funeste là. Je peux aussi kobold améthyste, mais je pense pas parce que après il va faire ses. Il va faire ses sorts qui ramènent des copies des créatures 5-5 là. Je pense que ce sera plus intéressant plus tard. Donc je pense kobold. Et je pense Hospice Funeste. Ça me paraît pas mal. Il paraît que la fin est proche. Et je ne pioche pas, bien sûr, je suis à 9 cartes. Alors pour ceux qui n'ont pas compris les dernières répliques, là c'est du Kaamelott, bien entendu. Si vous ne l'avez pas vu, vous voyez Kaamelott, c'est bien. Voilà, essence d'ombre. Alors l'ennui, c'est que quand on va tuer son Malygos là, eh bien il va le faire revivre le bougre. Et ça va nous ennuyer. Parce qu'on préfère. Enfin, c'est facile de tuer un Malygos 5-5, mais tuer un Malygos 4-12, ça va être beaucoup plus dur. Je crois que c'est pas un match-up pour nous celui-ci. Bon, d'autant que là il va mourir tout seul et après il va le faire revenir certainement. Améthyste. Là on n'a rien du tout à jouer. Là c'est relou. Parce qu'on n'a vraiment rien à jouer, on ne peut pas piocher. Donc je vais balancer une profanation dans le vent. Et c'est relou parce que profanation, j'en ai besoin. Mais je suis obligé. Après je peux flamme infernale, mais. Je peux flamme infernale. Je pense que de toute façon j'ai perdu donc. Parce qu'à un moment il va jouer son sort légendaire qui met plein de 1 si j'ai profanation dessus, c'est bien. Je pense que je flamme infernale pour pouvoir activer un peu mes améthystes. Alors, je pensais que c'était du fait qu'il était la famille du. Qu'on la réplique, mais je sais pas comment l'adapter, ouais, c'est sûr. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, on est proche du décès là. Est-ce qu'on a une améthyste? Une améthyste? Faut que j'arrête avec un améthyste quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Il faut cesser tout de suite. En plus, je peux même pas jouer mon galvaniseur du fait que je n'ai point que tout en main. Quand même embêtant. Je comprends du coup l'idée d'avoir le. Ah, il joue même les statues d'obsidienne, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. L'idée d'avoir le crâne de Manari plutôt que le laquais, parce que souvent on a pas mal de choses en main qu'on ne peut pas. Qu'on ne peut juste pas jouer. Bon, prochain tour, je peux jouer Seigneur du Vide, c'est déjà pas mal. Me revoilà à 30. Mais ça va pas être suffisant, je pense. Parce que le monsieur en face, il va être très très vite énervé à me mettre des coups de 30 dégâts par sort. On est à combien? On est à 1-1? Non, on est à 2-1, dis donc. 2-1, et personne ne le dit. Hein. Je vous félicite pas, les gens qui dormaient. Ah, ben le revoilà, le tien.
C'est maintenant qu'on veut le siphonner l'âme, s'il vous plaît. Hein, parce que sinon, on va en prendre plein notre tétasse. Quoique, je peux néant d'histoire du. Il a fait une servitude éternelle, il en aura une deuxième, mais je pense que c'est quand même néant. Je peux pas me permettre de faire juste seigneur du vide et d'avoir toujours Maligos sur le board. J'ai une deuxième néant derrière. Peut-être que c'est que seigneur de... ouais, peut-être que c'est que seigneur du vide finalement. C'est possible. Comme ça, je peux néant sur néant. C'est ta dernière. J'ai appris une technique pour tuer trois hommes avec des fougères. T'as la chance d'être seul. Elle est bien, celle-là. Elle est très très bien. Ouais, je pense seigneur du vide parce que le néant, quand il va me faire, tiens, je remets toutes mes créatures qui sont mortes là, x12, je pense que je serais content de l'avoir. Même si je dois mourir maintenant, c'est la dure loi de la vie. Alors, qui sont les gens qui sont décédés sur le chat là? Hey, nous avons plus que Mélanie, Raynor et après des espèces de bots, je pense. Ok, il récupère une pièce. Donc ça, c'est pourquoi il y a cette gargouille dorée? Parce que la pièce est intéressante sur Lyra. Et comme il est susceptible d'avoir plusieurs fois Lyra, ben, ça va ramener énormément de sorts. Qu'est-ce qu'il fait pour 10? Qu'est-ce qu'il fait avec ses pièces? Ah d'accord. Ok. Ne fais pas... Ouf. Voilà. Voilà. Bon, ben ça a été un bon stream à part ça. Merci d'avoir été là. Je vais vous faire un petit peu le calendrier. On avait dit hein, que ce serait compliqué. Comme ça, Raynor, il pourra aller se coucher avec ses chats. C'est très très triste ce qui vient de se passer. Alors, c'était quoi comme liste? Résurrection. Hop, c'est pour mes statistiques. Alors, le calendrios. Bim! Qu'est-ce qui se passe? On est où là? On est mardi. Demain soir, les gladiateurs, ce sera Saumon avec Maelstrom. Ce sera de l'arène collaborative. Allez-y. Alors attention, bah, si tu veux un conseil de pro, alors attention, il y a des choses qui se disent. Si je veux un conseil de pro, le mieux pour crocheter une serrure, c'est une clé identique à la serrure, sinon ça marche pas. bonne nuit, Mélanie. Donc, ça on l'a dit, jeudi soir, confrontation entre... les maîtres de confrontation que sont Flogger05 et Captain Matt, qui joueront bien sûr en duo, en BO5 contre Saumon et Raynor, je crois bien. Raynor, tu vas être très très fort, j'imagine, confrontation jeudi soir. Ensuite, vendredi, exceptionnellement à 21h, ce sera vous passerez. Je coach un viewer, vous inscrivez grâce au lien qu'on vous a indiqué tout à l'heure sur notre Discord. Et lundi soir, les explorateurs, on part avec Max Pinouche à l'exploration d'une nouvelle carte de l'extension. Venez, venez, c'est tout rigolo. Et en plus, il y aura du chapeau. Et mardi soir, on reprendra Up. Merci d'avoir été là. Merci Raynor pour ton boulot. Et merci Mélanie pour ta fidélité. Salut à tous.